des changements côté Montpellier. Il y en a 8 pour démarrer cette deuxième journée de Champions Cup. Les données sont simples. Il faut pour l'équipe de Montpellier s'imposer aujourd'hui pour espérer sortir de cette poule après avoir perdu la semaine dernière face aux Saints de Northampton. Massiwa, c'est bien parti, c'est bien, ça passe. Bien tapé. Hein. Belle heure. Oula, ballon perdu sur l'impact. Voyons. Ce ballon de récupération, comment va-t-il être joué avec Martin? Allez, il est passé. Allez, il est passé, Martin. Il accélère, il rentre dans les 20 mètres. Martin tout seul. Tout seul. Tout seul, Martin qui va aller marquer. Oui. Et qui marque cet essai. Pas tout joué sur, sur son physique. Mais là, en l'espèce. Un peu plus à l'avantage des Irlandais. C'est peut-être un. Peut-être un détail pour vous, Dimitri, mais. Ça veut dire beaucoup. Sans doute, mais on a l'impression pourtant qu'on n'avait pas beaucoup joué avec justement avec ce banc pour aller chercher l'occupation du terrain. Attention, Nadolo, tout seul, ouais, pas besoin de l'appui du vent pour pousser Nadolo dans la butte. Oh là 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 là. Oh, quelle démonstration de puissance pour Nadolo. Stein pour la transformation. Elle est en coin. Oh, c'est bien parti et ça passe. Incroyable machine qui écrase même les Sud-Africains. Des générations de joueurs de très haut niveau en Irlande. Massiwa, lui, va passer 3 points de plus. 17. Ah, pour l'instant, c'est un peu anesthésiant hein, comme match. Allez, il faut redonner un petit peu de tonus à cette partie. Et surtout, enfoncer le coup pour les Montpellierais. Pourquoi pas avec une balle grosse mêlée. Voilà, voilà, ça c'est bon. Ouh là, ils ont sur le contre, là de l'eau. De Nadolo après une formidable poussée et une humiliation de l'équipe du Leinster juste devant la tribune présidentielle, devant le président. C'est une bonne pioche. Ah oui, c'est pour c'est Montpellier. Un ah, c'est un pic, que dis-je. C'est une péninsule. Par Ruffenac. C'était important le plaquage de Romain Ruffenac. Ouah, sur le fermé pour l'essai de Massiwa. Oh oui, il est passé. Il est passé, Issa Massiwa est très malin. Massiwa va aller chercher les poteaux, bien sûr, parce qu'il sait très bien. Il sait très bien, Issa Massiwa. Il sait très bien qu'il faut un essai transformé pour aller chercher ce bonus. Il a été très bon, quasiment tout. Et là, et là, et là, et là, ça passe. Oh, super, bravo, c'est mérité pour Issa Massiwa et les fans du Leinster qui sont heureux. Ils sont une bonne centaine aujourd'hui à Montpellier. Ils sont heureux parce qu'ils méritent de mettre ces points qui va donc leur permettre de rentrer dans le bonus défensif. Montpellier s'impose ici face à l'équipe du Leinster. Mais Montpellier aura cédé, on s'en souviendra, n'aura pas pris le bonus offensif et aura cédé un point de bonus défensif à l'équipe irlandaise du Leinster. Oui, bon, déjà, ils ont rempli le contrat suite à leur première défaite à Northampton. Ils ont réussi à emporter ce match. Alors, on en veut certes toujours plus. On espérait avoir un bonus offensif côté montpelliérain, mais ce résultat est assez à l'image de ce match où le Leinster n'a quand même pas lâché.